Ce n'est pas moi qui parle en bas à gauche. Comme tu peux le voir, la personne est jeune et cette... Et attends, pourquoi ta caméra, elle est si... Déjà, t'es trop sombre, ok? Pardon. Je veux de la lumière. Ça me paraît mieux. C'est quoi que t'as mis comme lumière, là? Fais-moi voir ton setup. C'est quoi? C'est un gros truc pour éclairer. Un truc chantier. Ok. Ouais. Tu ne l'envoies pas directement dans ta gueule? Non, je l'envoie contre le mur. Eh ben, c'est pas mal, ça. Remember it. Tu m'as l'air plus focus et concentré. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, Mopiz? J'en sais rien. J'ai eu ma souris. Ok. Voilà. Tu sais qu'il reste plus grand chose pour toi, pour avoir une petite nana, une petite maison et bientôt la voiture. Et tout ça, ça passe dans le fait d'enlever les posters qui sont derrière toi. Eh, hey, tu me saoules avec ça, je te jure. Je te jure. Mopiz, on en reparlera dans 4 ou 5 ans. Retiens ça dans un coin de ta tête. Mais non, j'ai une idée. J'enlève ça et à la place, j'écris avec des LED Mopiz. Ça peut être stylé, non? Ouais, non, garde la voiture. Garde la voiture. Ok. Let's go. 1v1. Et le staff GG à vous. Tu veux? 50 euros, si tu perds. Ça va aller. Je vais m'en passer. T'es sûr? Je vais m'en passer. Mais 50 euros si tu gagnes. 100 euros si tu gagnes. Et 50 euros si je perds, c'est ça? Ouais. Ça va être compliqué parce que comment je te paye? Tu casses ta souris toute nouvelle en live. Ça me fait une vidéo YouTube. Moi, je suis content. Toi, t'as plus de souris. Bonjour, non. 10 euros si tu gagnes. C'est quoi? Si tu gagnes. 10 euros et je te host à la fin du live. T'as intérêt de tryer. T'as pas intérêt de prendre du kill. Je suis en attaque. Oh, mais s'il te plaît, c'est pas moi le sac à merde. Hein, là, quand vous avez fait votre 5v1 la dernière fois, à mettre mute et tout. Petite pression avant le 1v1. Je les connais, ces strats. Eh, t'as gagné contre Excelsior? Ouais, 3-1 et 3-0. T'as défoncé Excelsior en 1v1? Ouais, tu peux arrêter le replay sur ma chaîne. Vas-y, fais ta pub encore. Hein. Oui, mon IA, je l'ai mis tout à l'heure au cas où. Hein, J'ai quoi comme perso? Mais je dirais Twitch puisque tu la prends tout le temps. Oh, il est là. Ah, bah je crois que c'est Twitch. Pas sûr, hein. Mais j'ai l'impression que t'es dehors au son. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas voir ma tête, les béros, là. Pourquoi t'es en train de... Bah, de faire le con, mais... J'étais pas loin. Pas loin. Qu'est-ce qui a manqué là? Je t'ai pas entendu arriver. Ah, ok. J'ai pas tenu la bonne ligne. Ah mais non, pourquoi je prends ça? Tu m'as pas entendu arriver. L'inverse pourrait être aussi que j'ai pushé à un moment où tu faisais du bruit. J'ai tiré avant, pendant que tu marchais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la première fois que tu fais un trou là, tu fais un... Ouais. Tu fais ton premier scan, d'accord? Donc tu t'aperçois que... La pièce est vide à droite de l'endroit où t'étais, ok? Ouais. En fait, t'avais déjà fait ton scan. Au moment où toi, là où je te tue, là, c'est un endroit pour lequel t'avais très certainement, inconsciemment ou consciemment, analysé le fait que ça représentait pas un danger. En fait, je me suis mis en... J'ai poussé au moment où tu fais du bruit pour venir me mettre à un endroit que t'avais pourtant déjà scanné, en fait. Et que t'avais déjà analysé comme étant pas un danger. D'accord? Donc, quand t'as décalé, toi, t'as forcément overextend. J'imagine que au moment où tu meurs, ton viseur est à ma gauche, à mon épaule droite, j'imagine, non? Oui, il est à gauche de... Pourquoi? Parce que tu re-overextend derrière. Mais ça, c'est logique. Donc ça, on le verra après. Mais la logique, c'est de venir casser une ligne, de venir à un endroit, en fait, de venir se mettre à un endroit sur une ligne cassée que t'avais pourtant analysée comme étant une ligne safe, au final.
jouer. Tu vas sans drone. C'est propre ça. Pas de dégâts, Storm. Bah, pas de dégâts parce que tu vises pas la tête non plus là. Ouais, je tirerai pas dans le pied non plus. Hein. Non, eh oh, ouais, ouais. Rainbow Six, c'est la tête là. T'as tiré où? Dans le torse. Ok. Le bon recoil control, c'est du spray au niveau de la tête. Hein. Ça part au niveau de la tête, la première balle est au niveau... Ah putain, attends, merde. Attends, mais c'est en combien du coup? En 3. D'accord. Super. Coucou. Comment il va? Pas ici. Lol. Dommage. Par contre, moi je peux ici. Oh, mais j'avais pas vu que là il y avait un truc. Je l'ai pas cassé, je suis pas. Putain, je me souvenais plus qu'il y avait toutes ces trappes là. Ouais, j'ai mal droné, j'avais pas vu que c'était ouvert ici. Non, c'est normalement, propre. Normalement, je dois mourir. Normalement, je dois mourir. Oui, c'est propre, c'est propre. La grenade à gauche, le fait de décaler à droite, c'est très bien. Il y avait une logique. T'as joué ton drone, tu l'as pas perdu, tu balances ta grenade. On peut pas choisir les bombes sites normalement. Putain, c'est relou ça. Non, t'as choisi. Et je me souvenais pas, moi, qu'il y avait. Non, non, j'ai pris Pulse. Je me souvenais pas qu'il y avait l'autre trappe là. Bon, pas celle-là, du coup, elle a toujours été. Mais d'où c'est que t'es? Quelqu'un sait répondre? J'en avais aucune idée. Hein. T'aurais pu me tuer tout à l'heure. Ça savait rien. Mais, ah ouais, j'en avais aucune idée. Ah, tu t'entends pas? Ah si. Pas décollé. Qu'est-ce que t'as fait de mal là? J'ai trop tardé à mettre ma grenade. Non. Tu l'as cookée. Ouais. Et qu'est-ce que t'aurais dû faire? Ne pas la cooker, juste la balancer pour faire peur parce que sinon le gars il aurait peur qu'elle explose, du coup il aura pas peur. Ça s'appelle faire quoi? Faire peur. Non, c'est un mot anglais en 4 mots, en 4 lettres. Et rouge, c'est pas ton pied? Hein? Tu m'as enlevé des HP là. Mytho. Ah bah tu m'as défoncé, mec. C'est une putain de... c'est une putain d'échelle. Et si on sait where is it? Op 4 has spotted the biohazard container. Non, 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 Mopiz. Non, Mopiz, 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 Mopiz. Quoi? Mopiz, barre-toi du live. Mais je suis pas sur le live. Non. Mais quoi, j'ai droné, t'étais pas du bon côté. Non, du coup j'étais de l'autre. Non. Déjà, si t'étais pas sur le live, tu serais pas listé dans les personnes qui sont sur le live, d'accord? Si je fais une recherche... Oui, il était en arrière-plan, ouais, si peut-être. Ah, ok, donc déjà, c'est un mensonge, d'accord? Si je vais sur Mopiz, t'es dans le live, t'es dans le live. Mais je fais pas gaffe, ça, mais non, la vérité, je vais pas faire ça, ça sert à quoi? Je perds pas d'argent si je perds, donc je m'en fous. Mais t'en gagnes? Bah ouais, mais je m'en fous. Non, explique-moi ton raisonnement.
Ok, tu veux que je te dise quoi? Vas-y. T'as pas trouvé. Hein. Mais pas, je suis parti du mauvais sens. Parce qu'en fait, c'est vrai que tu m'aurais tué hein, de base. Hein, parce que moi, de base, j'étais parti vers l'autre bout, hein, vers l'arrière du train. De l'avion. De base, je voulais partir vers l'arrière, sauf que je me suis trompé. Et au moment où est-ce que je te vois, je me rends compte que je suis pas du bon côté. En fait, moi, quand je t'ai droné, normalement, tu devais me tuer. Mais en fait, moi, est-ce que je t'ai droné, je t'ai pas vu derrière moi. Du coup, j'ai continué, je me suis dit, ok, il est pas derrière moi, je vais aller au bout de l'avion. Ouais. Tu m'as jamais droné, quand je t'ai dit que tu m'as tiré dessus, tu m'as jamais tiré dessus, tu le sais, ça? Oui, parce que c'était une échelle. En fait, le rouge, c'était le bout de l'échelle, mais je pensais que c'était un pied. Oh merde, on est sur le consulat. Oui, d'accord, et j'étais derrière toi depuis le début, et je voulais que tu reviennes à la trappe que t'as fait tout à l'heure et venir te cutter. Sauf que là, quand on te voit sur le replay, tu viens checker le corner, donc tu viens lécher une arête, donc tu sais en fait que je suis là. C'est pas comme si t'étais en... Non, impossible. J'ai pas l'info. Mais j'ai pas fait exprès d'aller derrière toi. Enfin, derrière moi. C'est tangible le fait qu'il se trompe. C'est tangible qu'il se trompe, c'est juste pas tangible qu'il vienne checker le corner et pas celle de la trappe à côté en fait. Tu te rends en plus. Hein? Hein? Hello. J'ai vu des pieds, non? Ouais. Oh, quel monstre! Non, mais par contre, tout à l'heure, je mens pas, vraiment. C'est propre, ça. Dommage. Dommage. Parce que je savais pas du tout ce que t'étais, le boss. C'est horrible d'attaquer sur consulat. Ah, surtout à ce site là quoi. You have found the biohazard container. Proceed to its location. Non ! Le shoot de merde ! Et moi alors ? Je t'ai vu droner en plus. Ah ouais, eh franchement, au niveau du random en plus je suis content moi. Quoi, je suis dedans ? Bah non, t'as eu le bomb site le plus facile à défendre, j'ai le plus difficile à défendre quoi, je suis trop content sérieux. Comment ça, j'ai eu le plus facile à défendre? Ah bah le visa, c'est le plus facile. Ah bon? Bah oui. Bah je me suis fait tuer pourtant. Hein? Pourtant j'ai perdu. Oui d'accord mais... oui. T'es en haut ou quoi? Non, je l'ai vu. Je sais pas où il est. Ouais, tu me vois pas. Je meurs par un capcan. Ah oui, tu vas trop vite. N'oublie pas, c'est 1000€ hein, si tu perds. Ah, je m'as entendu, je crois. Bruh. Putain, c'est pas gagné. Si, c'est gagné pour moi. Non, mais pas pour moi. Ouais, ça veut dire que t'es perdu, quoi. Mais qu'est-ce que t'as bouffé là? D'où tu réussis tes headshots maintenant là? Mais c'est ma souris, je te dis. Et la sensi aussi peut-être. La sensi. Et le tapis de souris aussi. Et les conseils aussi. Bon, c'est à peu près tout. Hein. Il y aura une vidéo YouTube. De quoi? De ça là? De moi qui perd contre le guide. De moi qui perd contre Mopiz? Bah oui, bien sûr. Yeah. Ouais, histoire de me faire encore plus insulter par des gamins de 13 ans là. Ah, tu fais la merde, hein, franchement. Ça va pas la tête ou quoi? Biohazard container located. Et qu'il l'a localisé comme un conteneur. Ah
Non, mais mon chou qui pue le zboob. C'est qui le patron? La belle sur Calmap.